Salut à toutes et à tous, c'est Konski de retour sur Dark Souls 3 Ashes of Ariandel. On va essayer de progresser ici sur le toit, rentrer, alors soit me laisser tomber là, soit aller là. Alors je vous signale que j'ai fait un ou deux essais avant de prendre la vidéo, mais j'ai fait que mourir en fait, donc vous allez voir pourquoi. Donc je vous ai passé ce moment là, ça sert à rien. En fait ici à l'intérieur il y a deux perfides. Il y a des mecs assez perfides, vous allez voir, on va essayer de les voir avant de s'engager. Voilà, il y en a un là. Des espèces de... Oh, il m'a repéré en plus. Des espèces de ninjas là, donc on va essayer de... De les prendre un par un parce qu'ils sont deux à l'intérieur, ils sont vraiment hyper pénibles. J'espère que ça va aller cette fois-ci. J'avais une... 3000 âmes, on les a récupérées. Ok. On va aller buter le deuxième. Enfin, j'espère. J'ai bien loupé là mon gars. Ok, bon. Bon, désolé de vous avoir passé le moment où je suis mort, mais ça avait quand même duré 7 minutes, donc j'ai pas envie de... Halo de la voix immaculée, on dirait un miracle. On dirait bien un miracle, alors allons voir. J'ai pas envie de perdre trop de temps sur la vidéo. Halo de la voix immaculée. Un disque blanc lacère les adversaires et revient. Demande 18 en fois. Ça n'a pas l'air très avancé, mais on verra les dégâts que ça fait. Une forme oubliée de miracle héritée de la voix immaculée. Elle permet de lancer un disque lumineux qui lacère les adversaires avant de revenir entre les mains du lanceur. Du temps lointain où subsistaient encore en ce monde des vestiges de la puissance des dieux, les manifestations physiques des miracles de la voix immaculée avaient l'apparence d'auréoles lumineuses. Certains ont toujours voulu croire qu'un jour ils pourraient les contempler de nouveau. Ok, on l'équipera pour voir ce que ça fait. Alors le truc c'est qu'il y a un objet, donc il faut quand même que je remonte sur le toit pour venir le choper. Ça posera pas de problème. Là au bout à droite il n'y a rien. Là, il y a une poutrin, je peux... Ouais. Laisser tomber dessus. Ou pas, d'ailleurs. Quelle astuce pour monter là. C'est juste que je me suis laissé tomber trop loin. Il faut que j'aille plus mollo. Bon, logiquement, dans cette vidéo-ci, je pense qu'on va arriver quand même au premier boss. C'est pas possible, j'ai déjà fait quand même pas mal de découvertes. Du monde, donc je pense qu'on devrait pouvoir y arriver ici. Bon, je me déplace en billet, peut-être, hein, comme ça. Ah là 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 là! Non, là, pas moyen. Et ici... Oui, il y aurait moyen aussi, mais... On va essayer encore de se déplacer en billet. Ah, c'est pas vrai. Ah, et ça se trouve, c'est rien d'intéressant, mais bon, quand même. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve, en plus c'est pas tellement intéressant pour vous, donc ça me plaît pas qu'on soit dure trop longtemps comme ça. Je vais passer probablement et revenir plus tard si j'y arrive pas cette fois-ci, parce que voilà, on va pas y passer la nuit non plus.
pourquoi j'y arrive pas. Voilà, ok. Âme de chevalier découragé, c'est tout. Tout ce que t'as à m'offrir. Rien par ici, j'imagine. Ok, bon, tant pis. Allez, on va rentrer dans cette foutue bâtisse. Je vais regarder si par les côtés on peut pas accéder. Apparemment non. Alors cet arbre là déjà il me plaît pas. Je parie que c'est encore un ennemi. Là c'est d'où on vient. On va aller voir sur la droite. Il y a de l'objet, il y a de l'arbre pourri. La jeune branche, je sais plus trop ce que ça fait ça les jeunes branches, on va aller jeter un petit coup d'œil très rapide. Jeune branche blanche permet de se fondre dans l'environnement. J'en ai plein, autant l'utiliser. Hop là. Ok. Excellent. Il y en a un qui s'est fait avoir, il a pris l'objet, j'imagine que l'arbre l'a attrapé tout simplement. Il est rouillé, rien en dessous. Je crois qu'on est bon pour rentrer. Je crois qu'on est bon pour rentrer, on va pas s'occuper de l'arbre qui est sur la gauche de l'entrée, on s'en fout. Qu'il aille se faire voir, mais avant de rentrer, on va faire ça. Plus assez de destuzut. Qu'est-ce qui m'a fait, il m'a débuffé là. Ouh, il me bouffe la vie pas mal lui hein. Esquive tout ce pourri. Allez, bouffe-toi ça. Oh mon Dieu. C'est soigné ce pourri. Haha. Ça tu devrais pas faire. Tu devrais pas faire.
Quel duel! Mais je vais la voir. Clé du mécanisme, l'âme en onyx. J'ai fait sa fête, mais il a bien failli m'avoir aussi, donc respect quand même. Bon, c'est un NPC bien sûr, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas respecter quelque part. Alors, il a pas droppé d'autre chose. Donc la lame en onyx, on va aller voir ce que ça donne. Et la clé du mécanisme, ça me servira pour un mécanisme, pas d'inquiétude. La lame en onyx, elle ressemblait à quoi celle-là? Toujours mieux regarder les looks des armes. Au moins je me souviens du nom déjà, c'est déjà pas mal. Là, je suis aux arcs. Irritile, raffiné. Ah voilà, lame en onyx. Alors, physique 80, il y a un scaling sur force, dextérité, foi et... Waouh, sur un peu tout, donc c'est pas trop pour moi. Elfrid, aîné de sa fratrie et pontife de l'église noire, remit un jour cette épée à son chevalier servant. Il s'agissait toutefois là d'un cadeau d'adieu, et le chevalier l'accepta, conscient du fait que ce présent marquait officiellement la fin de son mandat auprès d'Elfrid. Capacité flamme noire d'Elfrid, on l'a vu l'utiliser, c'était assez classe d'ailleurs, permet de nimber la lame d'une flamme noire née de l'essence ardente sombre dont l'arme est investie. Ça fait des dégâts des ténèbres. Et ça scale principalement, bah c'est un peu sur tout en fait, il n'y a vraiment pas... C'est plus magique que force et dextérité, mais c'est les deux. Bah, donc ça m'intéresse vraiment pas trop. Mais... Allez, je vais pas le faire, de toute façon ça servira à rien. Oh, elle est assez rapide. Pas mal. Elle est assez belle. Mais évidemment, je vais pas la mettre. On va garder notre double lame. Dont je suis plutôt satisfait en plus, donc il n'y a pas de raison. Il me reste 3 astuces. Ce serait bien d'arriver au prochain feu, mais bon, l'autre feu n'est pas très très loin en termes de temps, c'est 2-3 minutes. Pas d'inquiétude. Bon, je crois qu'on a tout vu ici. Et voilà le mécanisme. Un NPC, on dirait, on va lui parler. Je pouvais. Voilà. I believe. I feel the scent of ash upon thee. Thou'rt the one of whom Uncle Gale spoke. The one to show me flame. Tis good. When this is done, may I return. The door is open thanks to thee. Tis good. I'll head off to bed. Ok, cool. Je me demandais s'il y avait un NPC qui allait travailler sur le tableau. Apparemment, c'est elle. Ok, cool. Très bien. Bon, enfin, je dis cool, mais en fait, bon, ça n'en apprend pas plus. Mais comme d'habitude dans Dark Souls, hein, je m'inquiète pas trop de pas comprendre. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a encore un mécanisme. Ça doit être... je vais quand même l'activer pour voir, mais ça doit être un élévateur, j'imagine. Ah, ça bouge pas. Ah. Bon.
Bon, c'est bien, je l'ai libéré, mais est-ce que je pourrais avoir un boss ou quelque chose comme ça? Feu droit devant. Oh oh! C'est assez cool! Ça, c'est bien cool. Ok, la suite, c'est par là. Je peux ouvrir ici. J'ai vraiment tendance à louper les trucs, hein. J'avais même pas vu qu'il y avait une grille, là. En tout cas, c'est un sacré raccourci. Ça permet juste de revenir par là, parce que on s'est laissé tomber pour descendre sur le toit. Ok. Bon, on continue, hein. On avance bien. Et on retrouve nos amis du début. Pour l'instant, je vais longer par la droite. Je peux me laisser tomber là. Je ne sais pas pourquoi je ne le ferai pas. Et là, on monte sur le toit, d'accord. De la bâtisse où se trouve le NPC qu'on vient de rencontrer. Est-ce qu'on va y trouver le moyen de trouver quelque chose en plus? J'ai pas hyper l'impression. Peut-être un passage ici. Non. Sauter là, j'y arriverai pas. Ok, on va prendre par ici, mais je me souviendrai qu'on peut également aller de l'autre côté. Il y a pas mal de passages en fait. Zone sûre en vue. Que tu racontes. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'on peut y descendre par là ou c'est pour... Certainement pas pour monter, peut-être pour y descendre. Et là-bas, on dirait qu'il y a une porte là-bas en haut, si vous voyez. Et là, c'est le pont que j'ai traversé pour arriver à la chapelle. Alors je pense que vous m'avez dit dans les commentaires qu'on pouvait péter le pont pour descendre. Peut-être que ça permet de descendre dans cette zone-là. De toute façon, on le fera éventuellement. Pour l'instant, je continue dans cette zone-ci. Mais j'oublie pas qu'on m'avait dit qu'on pouvait péter ce pont pour trouver une nouvelle zone. Et on le fera. Ouais, là, c'était plus pour faire sauter sur le dos de celui qui avait le bouclier, je pense, pour gagner un petit peu de temps. Ok, on revient là et je vais reprendre mes astuces. Je sais pas ce que je fous là, mais j'espérais pouvoir passer derrière. Ah, j'ai voulu... Je vais mourir. C'est complètement con. Je vais donner un coup de pied comme ça pour... Des fois je les loupe, les coups de pied, c'est quand même con. Non, là ça va pas, je suis juste à côté du feu, on va récupérer la vie. Alors j'ai toujours l'un ou l'autre miracle qui traîne, je devais essayer ceci, la nuée d'insectes, alors pourquoi pas le faire ici. Toi t'es out. Ouh. Ah là, le coup de pied, de temps en temps j'arrive quand même à le sortir mais pas à chaque fois. Ok, de l'objet, un petit passage ici qu'on va prendre, bien évidemment. On arrive à la même zone, hein.
Bon, ils sont tout un tas là. Et là. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Ah, ils me suivent en plus. Je vais pas activer le feu parce que j'en ai quand même déjà buté quelques-uns et puis on va essayer de progresser. L'armure de compagnon, je sais pas si j'avais déjà eu l'armure, mais je pense que oui. Hein. J'aime mieux toujours prendre de la hauteur avant, on va toujours aller par la droite. On a quand même nettoyé un petit peu le chemin. Il y en a encore deux là-bas. Oh. Ah oui, mais ça, forcément. Ici, c'est par où je suis déjà venu ou pas ici? Je crois pas. Non, 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 je suis pas venu ici. Est-ce qu'on peut faire sonner ce truc? Non, quand même pas. Continuer à monter par là. Et merde, je pensais que j'avais excès de confiance, hein. Je pensais que je l'avais eu. Oh merde. Ah le piège. Ah le piège, ah non. Ah non. Grande dame de chevalier découragé, mais tu m'étonnes qu'il ait découragé le chevalier. Ah non, 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 on va au moins essayer de choper les objets, mais regardez-moi ça. C'est ces espèces de gros balours. Voilà, comme ça c'est fait. Oh merde. Oh, je suis ici, mais on va quand même bien essayer de les buter. Oh là là! Ah, oh, c'est dégueulasse, il refrappe en remontant. Bon, cette fois-ci, c'est fini pour moi. Et on va se quitter sur cette. En plus, j'ai perdu 29 000 âmes. Enfin, je les ai pas perdues, mais vu l'endroit où elles se trouvent, ça va être coton. Waouh! Eh ben ok. De retour dans le monde peint d'Ariandel, on va se quitter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu et puis je vais faire de mon mieux pour progresser encore dans la prochaine vidéo. Et peut-être qu'on va finir par trouver un boss dans ce DLC. Allez, salut tout le monde.